Ce qui ressort de cette session sur les orientations budgétaires pour 2014, c'est avant tout que le contexte a changé en un an. En effet, pour le Conseil régional, plus question aujourd'hui d'un plan de mobilisation. Avec ce rebond de 0,5% au deuxième trimestre 2013, il faut à présent soutenir la relance de l'activité économique. Il faut absolument conforter ça. Pour conforter ça, il faut aider le développement économique. C'est aider les entreprises à aller à l'international, c'est faire en sorte que les salariés soient bien qualifiés pour monter dans le train de l'emploi, c'est faire en sorte que nos jeunes aillent le plus loin possible vers les bons diplômes, ceux qui permettent d'occuper les emplois d'aujourd'hui et de demain. C'est permettre ces mutations. Les nouveaux emplois, ce n'est pas les emplois d'hier, c'est des emplois qui sont beaucoup plus attentifs aux problèmes de l'énergie, aux problèmes de l'environnement, aux problèmes du développement durable. Nous allons faire cela. Un budget toujours très maîtrisé, avec un faible recours à l'emprunt par rapport aux autres régions de France, mais toujours aussi une volonté d'investir à hauteur d'environ 285 millions d'euros cette année, contre 290 millions en 2013. Une baisse qui s'explique par des recettes diminuées de 7,3 millions d'euros, due notamment à la diminution des dotations de l'État. On est dans un contexte de bisounours, tout va bien, la crise est finie, on est en train de repartir en croissance, il faut que la région accompagne l'effort de l'État pour réduire les déficits et que c'est parfaitement normal que la région s'ajuste. On a un espèce de document totalement déconnecté de la réalité, élaboré dans une tour d'ivoire qui ne correspond absolument pas aux réalités très tristes de l'économie et du social de la région centre d'aujourd'hui. Le budget du Conseil régional pour l'année 2014 sera soumis au vote le 19 et 20 décembre prochains.